La conception moderne d'un ordre global trouve son origine dans l'asservissement des Africains en Afrique, dans le Nouveau Monde et partout ailleurs. Partant, l'ordre mondial ne changera que si les Africains reprenaient leur propre destin en main. Les idées et les actes posés par Son Excellence Amadou Matambo à l'UNESCO doivent être compris dans ce sens. Ils sont riches en enseignements pour les Africains, pour nous tous. Ils nous permettent de comprendre l'importance stratégique de l'Afrique dans l'ordre mondial. Par ailleurs, le type de réflexion que ces actes auxquels ces actes nous conduisent peut nous aider dans une certaine mesure à mieux formuler un modèle d'enseignement qui correspond aux exigences d'un monde de plus en plus complexe.